À moins de 24 heures des obsèques de la maman Kaddou Zenet, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, depuis Paris, envoie un message faux à Guy Kahuy. Que se passe-t-il entre Alassane Ouattara et Guy Kahuy? Pour plus de détails, après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti! Les obsèques des condoléances ont commencé à Abidjan le jeudi 23 juin 2022. La présentation des condoléances à Maurice Kouakou Guy Kahuy et à sa grande famille pour les obsèques de leur mère ont pris fin à Abidjan en ce dimanche 26 juin 2022. Mais elle se poursuit à Abidjan vis-à-vis de nombreuses personnalités et sans oublier la présence du RHCP de M. Alassane Ouattara en ce mardi 28 juin 2022 en la présence de Patrick Alsim, Adama Bitogo et Kandia Camara. Les condoléances du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, présentées par le Premier ministre ivoirien Patrick Alsi à la tête d'une forte délégation. Le Premier ministre ivoirien Patrick Alsi est arrivé dimanche 26 juin 2022 à la résidence de Maurice Kouakou Guy Kahuy, peu après 18 heures avant le décès tragique de sa maman. Il était accompagné de personnalités dont Sissé Bakongo, Kandia Camara, Kone Mamadou et sans oublier Adama Bitogo. Le porte-parole a indiqué que le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, absent du pays, parce qu'il est hors du pays présentement, a instruit le Premier ministre ivoirien à l'effet de conduire une forte délégation afin de venir en aide à Guy Kahuy dans une grande démarche institutionnelle et fraternelle pour Diako, un Yako total au PDC RDA de M. Henri Konabeti à la Côte d'Ivoire tout entier, au ministre Guy Kahuy. Il a dit au ministre Guy Kahuy que dans la vie des hommes, il y a des événements qu'on ne maîtrise pas et des secrets divins qu'on ne maîtrise pas. Et comme nous sommes des humains, nous sommes obligés de nous incliner devant la dépouille de cette maman en ce jour. Yako total au PDC RODA, yako total au professeur, yako total au général du PDC RODA, un yako total à la Côte d'Ivoire, a-t-il annoncé pour la part du RHCP, le Rassemblement des Fautistes pour la démocratie et la paix. En Côte d'Ivoire, vous contactez la présence de deux femmes dans la grande délégation. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, en instruisant le Premier ministre ivoirien Patrick Alsi, le fait aussi au nom de son épouse, Mme Dominique Ouattara, l'ensemble de l'institution, mais aussi au nom de la famille Ouattara. Le porte-parole a rassuré que bien absent, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, sera présent à toutes les étapes des obsèques en Côte d'Ivoire. Le porte-parole de la famille éplorée, Maître Atebi, a traduit la grande gratitude de Guy Kahuy et des signes très touchés par cet élan de solidarité en Côte d'Ivoire et de fraternité. Le groupe parlementaire PDC-RODA, le conseil municipal de Cocody, le PDC-RODA district d'Abidjan, manifeste leur solidarité vis-à-vis du PDC-RODA de M. Henri Konabeti, le soutien du PDC-RODA au président. Président Maurice Kouakou Guy Kahuy s'est manifesté à maintes reprises avec la présence de M. Henri Konabeti et plusieurs autres proches collaborateurs du PDC-RODA.